when the whistle blows. Hey, salut tout le monde, c'est Gangstar, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera une nouvelle vidéo de glitch qui va vous permettre d'avoir les tenues de PDG en 1.35 en méthode solo. Donc c'est franchement, c'est assez facile à faire, donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire au maximum pour avoir le plus de tenues de PDG que vous voulez. Donc premièrement, ce qu'il faudra faire, c'est vous rendre à votre yacht, et si c'est pas déjà fait, vous inscrire en tant que PDG. Par ça, vous allez aller dans les styles et choisir la tenue que vous voulez. Donc une fois que vous allez avoir choisi la tenue que vous voulez, vous allez faire une fois flèche de gauche. Donc moi je voulais la tenue LG Face, pour ça j'ai fait une fois flèche de gauche et ça m'a donné la tenue Baron de la drogue. Donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement embarquer dans votre spa et choisir la tenue que vous vouliez. Donc vous allez faire une fois flèche de droite pour mettre cette tenue. Une fois que ce sera fait, vous allez tout simplement démissionner de PDG et poser une bombe colombe exactement où moi je vais la placer dans cette vidéo, donc juste ici. Une fois que cela aura été fait, vous allez tout simplement vous réinscrire en tant que PDG comme moi je vais le faire dès ce moment, et par la suite vous suicider, et là techniquement vous allez réapparaître en mode libre avec la tenue de PDG. Mais là vous n'allez pas pouvoir la sauvegarder, donc tout simplement ce qu'il faudra faire, c'est vous rendre dans votre appartement, échanger les pantalons et par la suite démissionner de PDG, et vous allez pouvoir la sauvegarder. Donc moi les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de glitch. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, un petit commentaire, et même partager cette vidéo à des amis sur Facebook, Twitter et n'importe quel réseau social pour que eux aussi peuvent savoir le glitch. Et moi je vous laisse sur la fin du glitch. Allez, ciao tout le monde.